Bon, bah j'ouvre ce vlog, je suis devant chez Orange. Je me suis dit que j'allais dès l'ouverture parce que c'est bon quoi, faire la queue avec tous les gens malades, on va éviter. Et je vous reprends après. Alors, bon déjà, je sais plus, je vous ai dit bonjour. Bon bah coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, je devais aller chez Orange. Parce que j'avais un petit doute, je me suis dit, ouais mais quand tu vas faire des stories, quand tu seras sur internet là-bas avec la 4G, est-ce que ça sera pas payant? Et si, c'est-à-dire, le gars m'a expliqué que une fois que je serai dans l'avion, ça va commencer à me prendre de l'argent. Donc il m'a montré comment activer un mode, et ça pendant tout mon séjour, de façon à ce que ça ne me prenne pas toutes mes données et tout, que ça essaye de me connecter et du coup me faire payer. Ça va bloquer automatiquement, je pourrai enregistrer mes stories, et une fois que je serai à l'intérieur, à la maison ou dans la chambre, je pourrai balancer sur la Wi-Fi. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Ensuite, je suis allée à la pharmacie pour mon petit médicament. Pareil, je voulais être tranquille pour pas avoir à le faire là-bas. Et je me suis trouvé trois petits vernis. Il y avait deux vernis achetés, l'autre offert et les trois vernis. Vous savez pour combien j'en ai eu? Attention, 7 euros. 7 euros les trois vernis, je vous montre. On a le French Cancan, là, le petit rouge. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Rose Dust et le Arosa. Ils sont vraiment bien, hein. Moi j'en ai régulièrement. Et ouais, je suis pas déçue de ces petits vernis. Et vous savez, là, j'ai envie de tester ce qu'il m'a dit. Je me mets comme si j'étais déjà à Saint-Martin. Je vais aller un petit peu plus loin. J'active le mode. Je fais des stories. Je rentre à la maison et je teste. Ça, c'est le genre de truc. Ça me rassure au moins. Comme ça, je sais. C'est comme l'ordinateur portable qui n'est pas le mien. Je ne l'ai pas en main. Je lui ai dit, Eric, file-le-moi vite que je m'y fasse, quoi, que je regarde un petit peu, même si, bon, on est d'accord que c'est intuitif. Hein, c'est un petit peu tous les mêmes. Mais j'aimerais bien faire au moins une vidéo avec. Et regardez. J'ai mis mes Stan Smith pour les faire, parce que je pense que je vais voyager avec ça. Ah bon, allez, c'est parti pour le test. Vous savez quoi, je vais vous avouer rien du tout, hein, je pense que vous l'avez remarqué. Je commence à devenir hyper parano, mais j'ai vraiment, vraiment peur de choper cette grippe. Parce que moi, j'ai eu deux fois une grippe. Mais quand j'ai la grippe, ça finit aux urgences, quoi. Ça finit à l'hôpital. Moi, je fais pas semblant, c'est tout ou rien. Et il m'a toujours dit, le médecin, ouais, non, franchement, vous êtes quand même assez fragile, faites super gaffe. Et voilà, donc j'ai peur. Et dans les lieux, là, ou alors je deviens parano, mais tout le monde, tout le monde se mouche, tout le monde poustillonne, tout le monde touche à tout. Et voilà, donc, mais franchement, je sais que c'est n'importe quoi. Allez, c'est parti, je vais activer le mode. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à retourner à la maison et vérifier tout ça. Ça m'a l'air pas mal. Et le moteur qui tourne comme ça, ça sert à quoi, juste pour savoir? Franchement, les gens qui laissent leur moteur allumé, je comprends pas. C'est un truc, ça pollue, ça pue et ça fait du bruit. Bref, on va pas s'énerver, c'est lundi matin. Alors, je viens de faire les tests, c'est cool. Ça marche très très bien, je suis contente. C'est ma sœur qui m'a dit, va quand même voir chez Orange parce que... Je pense qu'effectivement, ça peut te prendre de l'argent. Donc, je te conseille d'aller là-bas. Elle a un iPhone. Et elle a commencé à m'expliquer comment faire. Mais moi, j'ai pas l'iPhone. Donc, elle m'a dit, ouais, il vaut mieux que tu vois là-bas. Donc, sous ses conseils, je la remercie parce que j'ai vraiment bien fait. Enfin, elle a bien fait de me le dire si c'était nécessaire. Alors, sinon, aujourd'hui, j'ai une petite tête parce que c'est hormonal, hein, sans rentrer dans les détails. C'est une très bonne chose, finalement, que ce soit maintenant et pas dans... quelques jours, mais je suis complètement à plat, complètement à plat. Bon les gars, c'est vraiment, mais vraiment pas une blague. En haut, hein? En haut. Bah, t'as allumé le four depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Oui, je suis pas concentrée, mais c'est surtout que je suis vraiment pas bien. Je suis gelée, j'ai froid partout. J'espère que c'est hormonal. Alors au moment où, comment j'ai oublié le four. Je voulais vous dire que je suis gelée, j'ai froid, je tremble de partout. Je pense que c'est hormonal, j'espère. Je suis pas bien, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais wow, vous savez, des sensations de froid partout, 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 partout. C'est plutôt un état de faiblesse, on va dire. On va dire. Et ben, j'ai été obligée de mettre ma robe de chambre parce que quand je vous dis que j'ai froid, c'est que j'ai froid de malade. J'ai des frissons partout, les mains sont gelées. Je penche plus pour un état d'anémie, hein. Ça me le fait de temps en temps. Quand je vous dis que je suis un petit peu médecin, je pose des diagnostics comme ça. De toute façon, on va surveiller ça de près. Hein. Il y a également une méthode qui marche plutôt pas mal, c'est la méthode Coué.
Tout va bien, tout ira bien, je ne suis pas malade. Tout va bien, tout ira bien, je ne suis pas malade. Bon, sur ce, plein de vitamines avec des carottes et ma petite tourte au poireau qui a l'air très bonne. Maman va chercher les manger. Allez. Je suis en train de me familiariser, comme je le disais, avec l'ordi. Ça va, ça a l'air d'aller, à part des fois les petites transitions, le son qui est... Enfin, c'est différent, même la luminosité. Mais bon, je ferai exactement comme je fais d'habitude. Comme je vous dis, il n'y aura pas d'intro. C'est pas gênant, ce sera direct le vlog. Voilà, sinon j'ai encore des frissons, je suis fébrile. Voilà, c'est le mot. Je me sens fébrile. On va voir comment ça évolue. Alors, comment dire, j'étais obligée de quitter mon poste de travail, je me sentais pas bien, j'étais m'allongée pendant 1h30, j'ai pas dormi. Mais ouais, je suis pas au top, c'est quand même dingue. Je vous montre ma tête, j'ai les yeux, je trouve, brillants. Et vous savez, enfin, ouais, je sais pas, c'est bizarre. De toute façon, ce genre de truc que je vais pouvoir voir au fur et à mesure, et surtout demain matin, je me rendrai compte de l'état, si c'est stationnaire, si ça peut empirer, c'est que c'est pas ça du tout. Et je vais me dire que ce n'est pas ça. Eric vient de rentrer du boulot, il a l'air complètement crevé lui aussi. Mais non, je les avais avec moi il y a 2 minutes. Mais attends, tu les as dans ta main, non? Non. Je suis en train de déteindre sur toi, mon chat. Ça craint. Comme j'étais pas bien, Eric m'a ramené 2 petites crêpes de la boulangerie. Trop mignon. Je vais noter dans ce calepin, il faut que je retrouve toutes les musiques que j'utilise dans mes vlogs, que je les transfère, enfin que je les télécharge et que je les mette dans le nouvel ordi en fait. Ça aussi, ça va me prendre du temps. Tu savais que ta maman elle était malade un petit peu? Tu vas lui faire des petits bisous d'amour? Qu'est-ce que tu sens? Hein? Tu sens la crêpe? Alors clairement, vu l'état de la fille, je pense qu'il va être plus raisonnable que j'arrête maintenant. Je vais me consacrer à aller mieux. Demain, il y a de fortes chances que je ne vlogue pas. D'autant plus que demain, ça va être vraiment rangement complet de la maison. Je me lave les cheveux, je prends soin de moi et tout ça, en espérant que ça aille vraiment, vraiment mieux parce que je me trouve quand même assez blanchette. Voilà. Je vais quand même vous faire un gros bisou et surtout vous dire à très, très bientôt, même si demain je ne vloguerai pas, pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très, très fort. Salut.